va commencer ça. Le fils de Sœur Angèle. Avec le fils lui-même de Sœur Angèle, parce que c'est Sœur Angèle Lafamée de son vrai nom. Alors nous, on va rejoindre Max Lafamée qui est déjà avec Andy qui a envie de se bourrer la face ce matin. Et oui! Bonjour, Max, ça va bien? Salut, oui, ça va très bien, merci. Max, ce matin, on va cuisiner avec du fromage Oka. Et Andy est là parce que le but, c'est de faire des bouchées hockey avec du fromage Oka. Je m'y connais en bouchée hockey. D'habitude, un match canadien, ça se peut pas. Est-ce que tu connais plus en bouchée ou en hockey? En bouchée ou en hockey? Moi, c'est en bouchée. Moi, je pense que c'est en bouchée, oui. Non, sérieusement. Mais la bouffe et le hockey, ben, ça va ensemble, on le sait bien. On veut surtout pas manger avec nos ustensiles, donc des choses faciles à manger. Un peu sous la thématique un peu... Food porn, là, un peu genre fast-food. Qu'est-ce que t'as dit? Food porn. Ah oui, c'est un terme. Oh, tu manges tout nu. Hey, super, j'ai hâte d'inviter mes chums de gars pour écouter le prochain match. Les gars, j'ai de la food porn. Food porn, tout le monde tout les gars. D'ailleurs, je passerais si ça te tente, ça dérange pas. Oh boy. Oh, ça, ça chauffe. Oui, ça chauffe. Oui, attention. Et mon défi avec vous, c'était avec le fromage au corps. Un fromage déjà que j'aime très bien. Super bon. Semi-ferme. Et là, je me suis amusé. Tout d'abord, je vous propose des bâtonnets de fromage Oka. J'ai fait juste devant... Ils ont l'air bons, tes bâtonnets. Je les reluque depuis 8h30. C'est toi qui as fait ça? Ben là, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi tu penses qu'on l'invite? Mais je suis pas souvent, je suis pas assez souvent dans cette chronique, d'où Jésus. Juste avant de vous présenter les autres petites bouchées, j'aimerais ça vous faire une petite démonstration de comment on peut réaliser les bâtonnets de fromage Oka, parce qu'il y a une technique bien particulière. OK, tu les as fait vraiment toi-même. Tu es parti d'un morceau de fromage, tu as fait ta panure. Là, absolument, là, on va-tu bien voir? Je le mets un peu dans la farine. OK. Ensuite... Pas mouiller rien, là, directement comme ça. Exactement. Ensuite, directement dans mon œuf. Et là, ici, c'est de la chapelure. J'ai fait un mélange de chapelure panko, de la chapelure japonaise. Ça, tu t'en sers souvent. Ça. Souvent, c'est pas la première fois. Ouais. Avec de la chapelure également traditionnelle, et j'ai ajouté des fines herbes italiennes. Mm. Et là, attention, une fois que ça s'est prêt, là, on met pas ça dans la friteuse comme ça. Non, pourquoi? Et c'est là le danger que j'ai fait. Est-ce que ça va s'effoirer? Alors, il faut le mettre au congélateur un bon 4 heures. Ah oui? Pour pas qu'il fonde dans la friteuse. Exactement, c'est ça. Donc, c'est tous mes tests, là. C'est comme ça, hier, j'ai réussi à avoir un beau résultat comme ça, parce que sinon, mon fromage va fondre dans la friteuse. Donc, tu sors du congélateur direct dans la friteuse. Exactement. Okay. Comme ça, la panure a le temps de frire, le fromage avant va se réchauffer. Avant que ça aille à l'intérieur. Ah. Exactement. C'est super simple. C'est super simple. Moi, je serais capable de faire ça. Oui! Génial. Écoute, ça a tellement l'air plus... Si Andy le peut, tout le monde le peut. Ça a tellement l'air plus logique puis plus fluide qu'Alex au fourneau. J'aime ça. Ah oui? Je peux goûter, moi? Ben, tu peux goûter. Par contre, ils ont été faits... Ça prend un goûteur, hein, tout ça. Allez-y avec une petite sauce de tomate. Ça ressemble à quoi? Le fromage au cas est un peu plus, évidemment, goûteux, moins élastique que d'autres. Ça passe le test. C'est bon aussi que ça soit trop élastique, parce que des fois, c'est pas très heureux quand ça nous étire dans la bouche qu'on est chez des gens. Non, hein? La panure est quand même fine. Parce que, tu sais, des fois, tu n'as pas beaucoup de fromage. Bien, c'est son panko, hein? Oui, la chapelure italienne. Ce que je suis en train de vous préparer présentement, c'est juste à côté, je vous ai fait un méga grilled cheese de luxe. OK. Il a l'air méga, effectivement. Okay. Alors, bien sûr, là, j'utilise du fromage râpé Oka. Ça pourrait être, bien sûr, en tranches ou seul coupé. Moi, vu qu'il va être fondu, on s'en fout. C'est pas grave, il va être dans ta bouche. Fancy, oui, j'en mets beaucoup des deux côtés. Donc, bien sûr, j'ai pris du pain que j'ai beurré un petit peu. Tu prendre le mou? Parce que maintenant, il y en a du... Ça serait pas une mauvaise idée de combiner plusieurs sortes de fromage Oka. OK. Yep. Par la suite, je vais ajouter du porc effiloché au barbecue. Ouf! Que tu as fait toi-même? Oui, que j'ai dans la mijoteuse. Mais tu sais quoi? Ça s'achète maintenant. C'est vrai? Oui, Alex a l'air à connaître ça. Oui. Bien, nous, on y va avec la solution rapide, souvent. Ben, voilà. Et à ça, j'ajoute. Pour encourager les gens qui les filochent. Je suis allé chez Subway, je me suis pris un porc effiloché, puis j'ai gardé les filochés. Hein, va le réutiliser, ce porc effiloché. Ah, Jean-François, merveilleux. OK, là. Oh, et à ça, j'ajoute des avocats. Et là, on va un petit four à panini. Tu vas t'en servir. On va refermer ça. Et ça a l'air cochon. Oui, ça a l'air bien, bien cochon. Donc, pendant que... Puis ce qui est le fun, c'est que ça change, puis c'est plus santé, sincèrement. Ouais. Là, quand on reçoit des amis, on va à l'épicerie, on va dans le rayon des congelés. Des ailes de poulet. Des ailes de poulet, des croquettes, on achète toutes congelées. Ah non, faut pas que je les... Non, juste comme ça, ça va aller. J'avais compris qu'il fallait que je les foire. Non, fallait pas les foirer. José! Pendant que le grilled cheese est en train de cuire, j'ai une autre proposition, type un peu brochetta. Mais là, c'est ça sent déjà en bas. Ça sent déjà bon. Ça sent en bas? Attends un peu, Ah oh, oh, oui, moi aussi, on m'appelle au sous-sol. Ah oui! Oh, oui. C'est l'émotion du fromage. Ça sent les bas.
C'est un... le prochain truc que je vais vous proposer, en fait, c'est un pain aux noix que j'ai simplement ajouté des oignons caramélisés au sirop d'érable que j'ai fait hier. C'est des oignons qui en dessous. Est-ce que vous savez comment faire des oignons caramélisés? Tu peux nous le dire dans les prochaines secondes. Max. Oui, Max. Un peu caramel, un oignon? En fait, on fait cuire un oignon, on a un peu d'huile, un bon 15 à 20 minutes. Pour qu'il devient... Ça, c'est la base. Ça, tout le monde le sait, mais et après... Et à ça, j'ajoute le sirop d'érable avec un peu de thym. Okay. Et ça, dans un burger, c'est malade. Oui. Ouais, bon. C'est vrai. À ça, de toute façon, aujourd'hui, je l'ai mis dans un crouton et j'ai pris du canard effiloché, le fameux canard du lac Brome, déjà confit, que j'ai simplement effiloché, que j'ai mis sur le crouton, avec du fromage au cas et du thym. Okay. Hey, mais là, il faut que vous goûtez. Là. Mais, mais là, tu sais, ici, je ne suis pas pour rien. Attends, j'ai comme pas accès. Un petit morceau. Certainement. Qu'est-ce qu'il dit, ça panini, va, le panini? Oui, le panini, ça ressemble à quoi? Il est beau, c'est prêt, panini. Il est en train de se griller. Là. Moi, je le trouve pas mal beau. Il en manque pas gros. Excellent, parfait, on va le sortir. Parfait. Bravo, Alex. On va le sortir. Ça sent des jambons. Jean-François, fais attention, là, ça va te brûler. Ah, moi, tu sais, j'ai travaillé dans un casse-croûte. J'ai le bout. Je ne sens plus rien au bout des doigts. J'ai le bout des doigts... Mort. Mort. Je vais écouter ça. Je l'aurais pas dit de même, mais oui. Bruschetta canard. Je peux-tu prendre l'autre morceau? Bien certainement. Ça va être chaud. Ouais, je vais prendre celui-là. Et en display, comme on dit. Super. Allez, et la dernière proposition que j'ai à vous faire, c'est des mini-pizzas. Souvent, durant les games d'hockey, on aime ça manger de la pizza. Alors, la petite mini-pizza réinventée, regarde, c'est simple. J'ai pris un pain et un burger, simplement. Okay? Puis après ça, j'ai mis un petit peu de sauce tomate, du prosciutto au lieu du pepperoni. On ajoute, bien sûr, du fromage au cas. Et à la dernière minute, une fois qu'il est sorti du four, on va mettre un peu de roquette. Et j'ai ajouté des petites billes de balsamique, mais ça pourrait très bien être du vinaigre balsamique. Je vais le couper également pour que vous puissiez... Et goûter aussi. Hey, écoute, cette affaire-là, là, c'est tellement bon. La grilled cheese. Oh, my God! Bruschetta, là. Puis avec ça, on est pas mal loin des bagel bites, hein? Les fameuses petites pizzas, là. C'est fini, ce temps-là. Un petit hockey, Max? J'aime pas vraiment le hockey, mais j'aime cuisiner pour le hockey. Ah! Sinon, on t'invite à la maison. Oui. Un concept chef à la maison, toi, boucher. Tu cuisines, nous, on regarde le match et on mange. Absolument. Ça peut marcher, ça. Oui, ça peut fonctionner. Cool. J'ai été très vite dans les détails des recettes, mais j'ai quand même pris le temps de placer en ligne, juste avant d'arriver en studio, toutes les recettes sur le blog de maxlafamille.com pour avoir tous les détails, autant au niveau des bâtonnets de fromage, du grilled cheese, des canapés au canard, ainsi que les mini-pizzas. C'est pour ça qu'on parle pas, on mange pas trop, tu vois, parce que là, on s'est retrouvés à manger les trois en même temps, puis on te laissait on peut plus trop pédaler parler. Un peu. Alors, maxlafamille.com, et on a vu aussi le site Internet, évidemment, pour les recettes avec du Oka. Je ne sais pas si on peut me le remettre à l'écran. Ouais, plaisir. Mais ah, pardon? Plaisir d'Oka. Plaisir et fromage.ca. Voilà. C'était proche, Alex, quand même. Ben, écoute, Max, tu as relevé le défi. Oui, bravo. Ben, j'espère que vous allez tenter mes recettes avec ces parties des séries d'hockey. Celle-là, je ne le sais pas. Parce qu'il y a du verre. Puis quand tu reçois des. Quand tu reçois des chums de hockey, faut pas qu'il y ait de verre. Le moins de verre possible. Il y en a ici, si je t'invite à y goûter. Non, je te dis pas que c'est pas bon. Mais les gars vont faire « Oh, de la salade! »« La salade, moi! » »« Non, je vais prendre de grilled cheese. » C'est super esthétique, c'est vraiment beau. Oui, il faut que ça soit beau à l'œil aussi, là, tu vois, puis profiter... C'est plus santé, un peu moins gras. Alors bravo, merci beaucoup, mon cher Max. Puis Max, les Canadiens vous avez vu. Si on mange ta bouffe, peut-être que le Canadien va gagner. Yeah! Oui, okay, parfait. Ça goûte le bonheur. Apparemment, Desharnais en avait mangé, tu vois. C'est une blague, il s'est absenté, c'est pour ça. Il s'est vraiment...